Bien, je vois que tout le monde est à l'heure. Bravo et merci surtout, parce que c'est quand même formidable d'avoir une réunion qui commence à l'heure. Donc, je vais commencer ce petit discours d'introduction, puisque Pierre me complétera. Et donc, je dois en premier lieu excuser l'absence du président de la métropole du Grand Nancy, Mathieu Klein, qui m'a exprimé toute sa sympathie et donc ses excuses pour ne pas être présent. Donc, bienvenue à Nancy. Vous voyez qu'on vous a accueilli avec un temps lorrain, mais c'est tout à fait normal. Et je dirais qu'il est même un peu chaud pour la saison. Mais ça, ce n'est pas un problème. Et alors aujourd'hui, Florène est heureuse de fêter son 25e anniversaire et de vous offrir ces journées de partage préparées en collaboration avec nos amis de la Société botanique d'Occitanie. Je dois expliquer d'où vient le nom de Florène. Vous vous en doutez, je pense. Mais lors de la préparation de l'Assemblée constitutive de notre association, Pierre Dardenne, botaniste bien connu des Lorrains et qui fut le premier vice-président de notre association, nous a proposé ce nom, contraction de Flore et de Lorraine. Cela, vous l'avez compris. J'ai eu Pierre Dardenne, bien sûr, au téléphone hier, qui regrette de ne pas participer à notre réunion. Son état de santé ne lui permet pas, à 88 ans, de participer à nos travaux. Mais il tenait à vous saluer tous par ma voix. En 2020, première année de convergence botanique, nous avions organisé un concours IQ et avions décerné un prix dans la catégorie 8-12 ans à une petite Mia de Pouzols dans l'Hérault. Prémonition. Belle prémonition, puisque là, je dois remercier maintenant la Société botanique d'Occitanie, son conseil d'administration et particulièrement son président Pierre Coulot, qui nous a permis de co-organiser les convergences botaniques à Nancy. Cette aventure commence en octobre 2020, date à laquelle nous sommes allés à Montpellier pour la première rencontre des botanistes francophones. Malgré la Covid et les exigences de prudence qui ont réduit le nombre de participants, nous avons pu apprécier l'accueil et la qualité de cette manifestation. Nous avons intégré avec plaisir le comité d'organisation de ces rencontres francophones de botanistes et nous en sommes très heureux. Il nous revenait la tâche importante, mais facilitée par l'expérience de nos collègues occitans, d'organiser cette belle manifestation. Tout ceci est possible grâce au soutien financier de la DREAL et de la région Grand Est, du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle, de la ville de Nancy, de la Fondation Nature et Découverte et de Chlorane, dont vous découvrirez d'ailleurs un stand en bas. Donc, je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il y a des choses très importantes qui vont être dites par nos conférenciers et je vous souhaite de bonnes convergences botaniques. Merci François, mesdames, messieurs, c'est un plaisir pour nous d'être à Nancy quand on a créé les convergences botaniques à la Société botanique d'Occitanie. Notre idée de départ est de faire cette manifestation chaque année à Montpellier. Et on s'est vite rendu compte que dès lors que beaucoup de structures à travers la France adhéraient à ce concept, il y avait beaucoup de sens à ce qu'on la délocalise. Et donc, nous avons décidé de la délocaliser une année sur deux. Donc, les convergences botaniques auront lieu les années impaires à Montpellier et les années paires dans une association partenaire, comme c'est le cas pour la première fois ici à Nancy. Alors, pourquoi Florène ? Tout simplement parce que, d'abord, François et toute l'équipe de Florène a spontanément adhéré et été des partenaires d'emblée de ce projet. Et puis en plus, il y avait ce 25e anniversaire, donc ça s'imposait que Florène soit la première association partenaire à accueillir les convergences botaniques. Je veux dire que l'accueil qui nous a été réservé en cette terre lorraine, certes avec un temps médiocre, mais pour ceux qui étaient là aux éditions précédentes, à Montpellier, il faisait pas très beau non plus, donc on va pas donner trop de leçons. On a été vraiment remarquablement accueillis
par toute une équipe qui, je le sais, a énormément travaillé et on tient à les remercier très chaleureusement. Alors, il y a un comité d'organisation à cette manifestation et tous les colloques de cette nature se terminent souvent un peu en queue de poisson, les gens sont pressés de rentrer, etc. Et si on ne remercie pas les gens au début, on oublie de le faire à la fin. Donc on a l'habitude de remercier les membres du comité d'organisation au début. Et cette année, donc, évidemment, il y avait, puisque vous le voyez, il y a un collège des membres de l'ASBOC et puis un collège des partenaires avec les différentes sociétés partenaires, associations partenaires, pardon. Et cette année, il y avait 3 membres de Floraine qui ont contribué à cette organisation, je dirais, dans le cadre du suivi continu. Et puis tous les bénévoles qui, aujourd'hui notamment, vous ont accueilli, vous ont remis les badges, etc. Donc je ne vais pas citer tout le monde, je vais juste vous demander de les applaudir pour les remercier pour ce travail. Donc, comme François l'a évoqué, nous avons 2 partenaires principaux au niveau de la manifestation. Depuis le début, la Fondation de l'Université de Montpellier. Et puis, depuis cette année, Cloran Botanical Foundation, excusez-moi pour mon accent anglais médiocre, surtout qu'il y a des anglophones dans la salle, donc j'ai un peu honte. En tout cas, je tiens à saluer la présence de Stéphanie Lambet et de Florence Gallo de la Fondation Cloran, qui sont venus de Castres, ou de Lavore plus exactement, spécialement pour être avec nous, et donc ne se contentent pas de nous aider financièrement, mais nous aident aussi à travers une présence et d'autres activités que nous menons avec eux. Beaucoup d'associations partenaires sont depuis le début, très actifs autour de ces convergences botaniques. Alors évidemment, il y a toutes les associations d'Occitanie que vous voyez dans la partie basse de cette diapositive, et puis les partenaires nationaux, régionaux, notamment la Société botanique de France, la SBCO, l'INN de Lyon et de Provence, la Société botanique d'Alsace depuis cette année, et puis la Société botanique de Franche-Comté. Je ne citerai pas tout le monde, personne ne m'en voudra. Vous le savez, cette manifestation, nous souhaitons qu'elle soit gratuite et nous souhaitons qu'elle le reste. Alors certes, vous êtes appelés, quand vous vous inscrivez, à éventuellement contribuer, et je remercie ceux qui nous ont aidés, mais nous avons des partenaires financiers, donc François a cité les partenaires, les collectivités territoriales locales, donc je ne le referai pas, qui nous ont beaucoup aidés. Je tiens à saluer donc des associations qui nous ont également aidés financièrement, comme la SBF, la SBCO, la Garance Voyageuse, qui d'ailleurs tiennent également des stands, et puis donc les éditeurs, Biotop Éditions, qui est là depuis le début à nos côtés, la Fondation Nature et Découverte a été évoquée, puis la Société Oxalis, qui nous aide beaucoup au niveau de la Société botanique d'Occitanie. Alors, on disait que la répartition, c'était les botanistes francophones. On essaie, c'est l'ambition hein, qui est la nôtre, de, année après année, faire venir les gens de toute la France. Et d'ailleurs, un des objectifs de cette délocalisation, c'est que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là aux 2 premières éditions. Et on espère que demain midi, vous n'aurez qu'une seule envie, c'est d'être avec nous l'année prochaine à Montpellier. Et l'année suivante, on peut l'annoncer d'ores et déjà, à Nantes, avec la SBCO, n'est-ce pas Antoine ? Voilà, donc vous voyez, vous venez pas de toute la France, mais quand même de très nombreux départements sont représentés, et puis on a même des personnes qui viennent de l'étranger et qui sont parfaitement francophones, dont un certain nombre des intervenants de cette session. Voilà, donc j'en ai terminé, je ne serai pas plus long, le plus important, ce sont les interventions. Je voulais une nouvelle fois vous remercier pour votre présence et vous souhaiter d'excellentes convergences. Les interventions donc durent 30 minutes, 20 minutes de présentation, 10 minutes de questions, et on essaie autant que possible de tenir le timing pour que ça soit fluide, et vous le verrez avec un programme qui est organisé par Philippe Rabot et qui est très éclectique, c'est volontaire, avec des thèmes très différents pour rendre cette manifestation la plus accessible que possible.